Je vais d'abord vous faire écouter à l'endroit le message de Phantom Cards qui s'appelle Satan has a question. Satan a une question. Et ensuite, j'analyserai trois parties que l'on peut écouter à l'endroit et ensuite à l'envers et la signification. Hello, this is Satan, and I have a question. What would you sell your soul for? In other words, you know what I want, but what should I bring to the table in exchange? Feel free to leave me a comment, and we can see what we can do. Adios. Hello. Bonjour. This is C'est Satan, Satan. and I have a question. Et j'ai une question. What would you sell Qu'est-ce que vous your vendriez soul for? Pour votre âme? In other words, En d'autres mots, you know what I want. vous savez ce que je veux. But what should I bring to the table? Qu'est-ce que j'aurais à mener sur la table en échange? Feel free to leave me a comment. Vous êtes libre de m'apporter un commentaire. Et on verra ce qu'on peut faire. Adios. Alors qu'il dit à l'endroit. Hello. On entend à l'envers. Alors qu'il dit à l'endroit. Your soul. On entend en vert. Wassery. Alors qu'à l'endroit, il dit Your soul, votre âme. Quand on écoute à l'envers, ça devient I am sorry, je suis désolé. On se demande bien de quoi il est désolé. Un peu plus loin, il dit. Alors que écoutez à l'endroit, il dit. We can see what we can do. We can see what we can do. We can see what we can do. C'est-à-dire, nous pouvons voir ce que nous pouvons faire. Whitney Wallace. Autrement dit, il dit ici. Whitney Wallace. C'est-à-dire. Nous vous enculerons et Wowis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans une autre vidéo sur YouTube intitulée Oprah, O-P-R-A-H, en YouTube, on entend dire that bitch, autrement dit cette pute, et quand on écoute à l'envers, on entend d'abord un mot dit en allemand, schnell, autrement dit vite. Et ensuite, elle, autrement dit enfer, ce qui veut dire vite l'enfer. That bitch. Shell. Au cas où vous ne le sachiez pas, Oprah est une femme qui a consacré sa vie, un espace sur YouTube et un site. Pour que les gens vivent le mieux possible. Elle dit qu'elle a créé son espace YouTube pour fournir une place où les gens sont appelés à vivre le meilleur de leur vie, à se développer personnellement et à générer du positif. Alors voilà comment cette femme est qualifiée par ce charmant garçon dont nous venons d'entendre des extraits. Elle est qualifiée de sale pute. Est-il besoin d'en dire davantage?